Camilla en deuil. La reine consort accent aigu PLORE accent aigu E par un nouveau drame. Quelques mois après la perte d'un de ses cousins, Camilla Parker-Bowles a été confrontée à un nouveau drame personnel. Selon les informations rapportées par The Sun ce mercredi 8 mars, la reine consort a récemment appris la mort de son beau-frère. L'année 2023 ne commence décidément pas sous les meilleurs auspices pour Camilla Parker-Bowles. Avant le très attendu couronnement du roi Charles III, son épouse a été confrontée à plusieurs drames personnels. Quelques mois seulement après la mort de Charles Villiers, un cousin éloigné de la reine consort dont le corps sans vie a été retrouvé dans une chambre des hôtels, l'ancienne rivale de Diana a appris une autre mauvaise nouvelle. Selon les informations rapportées par nos confrères du Sun ce mercredi 8 mars, Camilla Parker-Bowles a dû dire adieu à un membre de sa famille. Il s'agit de son beau-frère, Simon Elliott, qui était marié à sa sœur Annabelle pendant plus de 50 ans. Comme l'ont précisé nos confrères britanniques, l'épouse du roi Charles III était proche de l'homme d'affaires, et ce depuis plusieurs décennies. Preuve en est, Simon et Annabelle Elliott avaient rejoint Charles et Camilla, lors de leur lune de miel à Balmoral, survenue après leur mariage en 2005. Le couple avait également assisté à l'avant-première du film Mourir peut attendre en 2021 aux côtés de Camilla Parker-Bowles. En septembre 2022, ce sont les mêmes qui ont été conviés aux funérailles d'Elisabeth II. Inutile de préciser que cette perte va créer un grand vide dans la vie de Camilla et de sa sœur Annabelle.